Axel se fait un match compliqué aujourd'hui, une première mi-temps où il ne s'est pas passé grand-chose, et une seconde très animée, mais au final, Visa a perdu. Ouais, je pense qu'aujourd'hui, on a eu du mal à se trouver. On a, première mi-temps, du mal à enchaîner les passes, de garder le ballon, d'être serein avec le ballon. On n'a pas respecté grand-chose de ce que le coach voulait. Je pense que deuxième mi-temps, on a rectifié certaines choses. On a essayé, on a donné beaucoup, mais voilà, les goals qu'on prend, c'est des goals totalement évitables. Et je pense que voilà, on doit se remettre en question, travailler, parce que ça ne peut plus arriver. On peut dire que vous avez laissé trop de liberté aux attaquants adverses ? Je ne sais pas si c'est trop de liberté, il faudra regarder, parce que je pense pour moi qu'on leur a laissé trop de liberté dans le milieu. Donc, mais je pense que voilà, dans les 30 derniers matchs, je pense qu'on doit être beaucoup plus dur que ça, et on ne peut pas offrir des occasions comme ça aux adversaires. Maintenant, des occasions, vous en avez eu aussi ? Oui, ça, on en a eu pas mal. Ce qui est dommage, c'est qu'on ne les met pas. Donc voilà, ça, il ne faut pas se leurrer non plus. Si on ne marque pas nos occasions, on les laisse dans le match, on les laisse avoir confiance. Donc ça, on doit être plus tueur devant comme derrière. Et ce match, c'est un peu une histoire de pénalty aussi. Bah, ce qui est dommage, voilà, Jess veut le prendre le premier, je lui laisse. Bah, il le loupe, voilà, ça arrive dans le football maintenant. Voilà, ça nous servira de leçon. Le tireur attitré, c'est vous ? Ben moi, je les prends. Il y a d'autres joueurs qui peuvent les prendre aussi. Maintenant, je pense que moi, Joe, on est prêt pour les tirer. Il y a la défaite, mais on a vu offensivement pas mal de mouvements en seconde période, avec des changements qui ont apporté. Oui, c'est sûr. On a de la qualité sur le banc. Je pense qu'aujourd'hui, on avait vraiment un banc de qualité. Donc, les changements ont apporté. Et, ouais, voilà. Ce qui est dommage, c'est que ça n'a pas apporté ses fruits. On sent la déception, elle est logique, il faut dire que c'est une semaine aussi après l'élimination en Coupe de Belgique. Ah, c'est sûr que c'est la deuxième défaite en 7 jours, là ça commence à faire beaucoup au moral. J'ai une rage en moi là, qui doit se transformer en positif, parce qu'on ne peut pas continuer comme ça. Avec le groupe qu'on a, on doit faire beaucoup mieux. Il faut réagir directement à Dessel. Ça voilà, on remet le couvert, je pense qu'on a notre revanche là. C'est à nous à aller chercher ça avec les tripes. Merci Axel. De rien.